Salut à tous et à toutes, c'est Gloglois71 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les opérations spéciales de Modern Warfare 2. Aujourd'hui, je vais partir sur celle-là, je pense. Quoique celle-là, je suis pas très fort, je serais quand même de la faire, mais bon, je suis pas un dieu. Celle-là, à vrai dire, j'arrive assez bien. Bon, on va tout de suite essayer en deux. Quoique sur PC, je sais pas si je suis aussi à l'aise, mais bon, on verra bien. Donc oui, je suis désolé pour le Minecraft, mais j'ai peu d'idées en ce moment pour sortir mes vidéos. Hein, j'espère que vous regardez aussi mes vidéos si vous regardez, si à la base vous veniez pour voir du Minecraft. Mais je suis désolé, j'ai vraiment pas d'idées en ce moment de quoi faire. J'ai bien quelques maps à visiter, mais elles sont pas extraordinaires. Pour mon aventure suivie d'Hardlife, forcément, bah, je veux dire un peu c'est cuit, hein, parce que faut attendre que Human Plus sorte en 1.7, on est 1.7. Donc ça risque d'être un peu long. En attendant, je pense que je vais faire pas mal de vidéos dans ce style. Hein. Donc ceux qui regardent que Modern Warfare 2, bah, c'est bien. Hein. Si vous aimez mes vidéos, cliquez sur j'aime. Alors, quelle arme prendre? Normalement, je prends toujours ça. Oh, allez, on est des ouf. Toutouyout. Space. Hop. Donc alors la cachette, si vous ne connaissiez pas, bah, il est bien de connaître. Se planquer dans l'hélico. L'hélico est accessible à l'arrière, aussi à l'avant, mais c'est couchou. Voilà. C'est juste à aller là et... Ouh. Après, c'est facile. Il y a plein d'ennemis qui arrivent par là-bas. Et boum. Encore un, boum. Ah non, pas boum. Allez, deux. Ouh. Donc la combo, j'ai tué... 5 soldats, ça me fait 5000 plus 350 de bonus. Boum. Ouais, c'est quand même plus facile le sniper. C'était pas facile celui-là. Alors la grenade, c'est quand même le... Non! Voilà. C'est quand même le seul gros problème, c'est si il balance une grenade. Faut se faire discret. Alors. Ouais. Oula, faut que je meure moi. Non, bah non, mais... Oh, si je commence comme ça, on va pas y arriver. Ah là là. Bon. Pourtant, c'est plus difficile de les voir quand même. Enfin, perso, moi j'ai pas mal de mal. Ah, c'est dégueulasse. Bon. Alors, on retourne se planquer. Oui, je sais, oui, je viens juste de dire on retourne se planquer. Oui, je suis un peu planqué en fait, mais bon. Faisons comme ça. La voiture qui disparaît. Il passe par derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Ah, ça m'énerve, je vois pas. Alors. Là. Voilà. Toi, t'es mort. Où c'est qu'elle est la grenade là? Merci. Ah zut, ça bug. Un peu. Hop. Oh, allez, boum. Combo x4. Ça c'est une petite mission, enfin opération, spéciale, ouais, que moi personnellement j'adore parce qu'il suffit de trucider tout le monde. C'est une fois de plus un truc pas trop compliqué. Et moi perso je trouve ça assez sympathique à faire. Alors. Alors, attendez, je fais toute petite pause là, petite ellipse, juste histoire de voir Semtex. Hein, je suis désolé, là j'ai fait la pub, ça fait ellipse, j'ai coupé au milieu de ma phrase. C'était pour regarder comment balance une Semtex, parce que pour ceux qui ne le savent j'ai... Waouh! Pour ceux qui ne le savent pas, on peut envoyer des... Enfin, les grenades spéciales, en fait, juste regarder comment on fait. Et avec ces grenades, les Semtex, on peut détruire là les... Zut. Comment ça s'appelle? Les... c'est comment? Ah, je sais plus, enfin, le nom des grosses machines qui m'attaquent, les sortes de tanks, là. J'ai complètement oublié le nom. On peut les détruire et ça fait 400, 4000 points, donc ça peut s'avérer assez pratique. Hein.
D'ailleurs, pareil, petite astuce pour ceux qui veulent aller plus vite. Là, c'est marqué, enfin, Ezekiel 500. Quand vous les tuez, ils sont en hémorragie, quoi. Et, bon, seconde chance, hein, ce que vous voulez. Quand on les tue comme ça, ça fait 500 kills. Mais s'ils sont comme ça et qu'on les tue au couteau, ça fait 2000. Alors, si vous êtes pas loin, ça vaut la peine de réfléchir, de piquer un sprint pour 1500 points supplémentaires, c'est quand même pas trop mal. Alors, aïe, non, merde. Les pentes. Alors oui, je suis désolé, je fais un peu mon planqué hein, comme d'hab. Quoi qu'aller, on va arrêter de faire nos planqués. Je me barre un peu à l'arrache là. Bon, ça marche. Hop, hop, allez, ça manquait un peu de snipe tout ça. Oups. Non, non. J'ai pas envie de mourir, ce serait dommage. Sinon je vous propose pas la vidéo. Allez hop. Allez, boum. Oh, combo x4, bah je m'en tire pas trop mal. Donc oui, je suis encore mon planqué en fait, mais bon, j'ai bougé. Histoire de vous montrer un petit peu la map. La carte. Excusez-moi, j'ai l'habitude de dire map. Pompilou pilou. Je rigole, c'est pas à moi de dire ça. Ah bah lui il a trouvé la même cachette que moi. Bon, on se lève, hein, j'ai envie de dire, on va bouger encore un petit peu. Quoique là c'est pas une bonne idée parce que justement il y a une sorte de tank qui peuvent me shooter hyper facilement de là. J'aurais pas dû me mettre là. Enfin, on va faire avec. Tu vas mourir, oui. Voilà. Alors. Il manque 1500 points. Alors là, si je meurs là, un mort, un tout petit misérable mort, et c'est fini. Allez, boum! Allez, boum! Allez, boum! Ouh, dommage, c'était plein de têtes là. Oui. Ouais, ah bah j'ai déjà débloqué les opérations Charlie, tiens, comme quoi ça va vite, hein. Petite ellipse pour le son. Voilà, on reprend tout de suite. Donc je vais faire celle-là. Alors là, c'est vraiment pour le plaisir que vous me voyez mourir. Parce que celle-là, c'est quasiment sûr. Je suis pourri à celle-là. Je la fais d'ailleurs en 1, mais je sais même pas si en 1 je la réussirai. Il faut désamorcer 2 ou 3 bombes en un temps limite. Et moi, perso, les missions comme ça, où il y a un temps, je suis nul à ça. Enfin, soit j'y vais à la bourrin et il me reste plein de temps, mais je suis mort avant. Soit, enfin, je sais pas trouver le juste milieu, quoi. Soit je fais mon planqué et je crève parce que j'ai pas assez de temps, soit j'y vais comme un bourrin et je meurs. Et je sais pas faire entre les deux, c'est un peu chaud. Donc là, c'est des gangs de la favela dans la favela. Je dois désamorcer 3 bombes. Ils sont forcément gardées. Hein. Faut pas faire un truc tout simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme arme? Ça, c'est pas mal là-dedans. Ça, non, c'est trop noir chargé. Oh, ça, c'est pas con ça. Hop, c'est ça pour changer. Les civils, on en tue un seul et c'est foutu, ça. Ça, je déteste. Allez, ça commence. Si je commence par m'allonger, on va pas aller bien loin. Alors. Bon, là-dedans, il n'y a pas de chien, encore heureux. Allez, meurs. Alors, vous voyez, là, j'ai une bombe à 45 mètres, une autre à la 59-116. Forcément, c'est pas des lignes droites, c'est des dalles de ruelles hein, infinies. On voit jamais le bout. Bon, allez, faut se lancer un peu là. Avec le bois. Ah, je suis coincé. Oh, toi mon gars, t'es foutu. Allez, boum. Reload, c'est pas bête. Un mini-usi. C'est pas con comme il est. Je préfère y aller intelligent pour ceux qui n'ont pas vu mes deux autres vidéos. Je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a aussi cette arme. Qui s'avère une arme très stratégique, oui. Allez, boum, donne-moi. Donc le but, c'est pas de tuer tout le monde, forcément. C'est plus facile d'aller désamorcer une bombe quand la personne qui vous tire dessus. Là, vous voyez, 3050. Là, il y a une bombe juste là. Le souvenir, elle est juste là. Alors. À deux fus, c'est désamorcé. Je m'allonge et hop. Et
on a compris. Diffusing. Ouais. Tout de suite. Alors vite là par contre faut sprinter, sprinter parce que forcément c'est pas facile. Waouh. On va faire celle-là. Alors là il y a du monde, non? Bon, bah, tant mieux. Là. Alors le truc c'est se cacher dans les maisons en attendant que tout le monde passe. Mais... Sauf que là c'est eux qui font les planqués. Moi je vais y arriver. Ils sont 200 contre moi. D'ailleurs les missions de Modern Warfare 2 sont pas mal quand même. On est tout seul contre 200 personnes. Ou à deux quand on fait... À deux. Ah non celle-là est trop trop dure. Oh j'aime pas cette bombe. En un moment en plus je vais prendre l'autre côté. Donc la peinture là. Ou l'autre côté. Ouais. Bon je laisse plein d'ennemis, hein. Je les tuerai au retour si j'ai le temps. Ah si j'ai le temps, c'est vraiment le truc qu'on se pose toujours dans cette mission. Est-ce que j'aurai le temps de tuer? Est-ce que j'aurai le temps de désamorcer? Là j'ai l'air de m'en tirer pas trop mal j'ai envie de dire mais... Non, je suis en 1, je suis pas en... Je suis pas en fou. Ouh, un point hauteur. Alors d'ici on peut voir tous les petits s'affoler comme des mouches ou des fourmis. Plutôt. Alors les Fadao RPG, moi j'aime pas ça. Il est là, là. Allez boum. Non. Bah yonk, heureusement ils sont pas douillés. Ah, vous allez dire c'est toi qui est pas douillé. Non ça va, je me débrouille pas trop mal. Je suis pas une bête à Call of. Hop, allez. Non, oui c'est bon. Non, ah, voilà. C'est marrant, elle a changé la bombe. Une 37, putain, ça va être chaud de désamorcer la dernière. Je sais pas si je vais y arriver. Je crois que j'ai pas pris le bon chemin. On va voir. Non, il est à l'intérieur. Ah ouais, bah ça va. Ça devrait le faire. Ah bah tranquille. Juste à désamorcer, j'ai gagné normalement. J'espère. Si, bah c'est bon, tranquille. Oh, coucou ennemi. Bon bah voilà. J'ai fait la mission tranquillement. Ah bah c'était pas forcément facile, mais bon. Il est vrai que je pourrais vous proposer d'autres trucs, mais je pense que même si ça a pris... même si c'est une toute petite... vidéo de 8-9 minutes, je pense que je vous laisse déjà comme ça, hein, parce que j'en ferai plusieurs. Si je fais tout en une seule partie, ça va pas être drôle. Donc bah, je vous dis à la prochaine pour de prochaines opérations spéciales. Et pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur j'aime si vous avez aimé, forcément. Allez, salut.